Bonjour à tous les barbus. Comment allez-vous aujourd'hui? On se retrouve avec la putain d'enquêtrice. Chelou, qui a une bouche bizarre, je ne m'en rends compte. Bonjour à tous, cela dit, j'espère que vous allez bien. Hein, bon, nous en étions là la dernière fois, alors nous avons vu qu'il fallait appeler Tyler. Savoir qu'est-ce qu'il fout, pourquoi il n'est pas au bureau. Bah, faisons-le. Ouais. Est-ce que tu as vu l'heure? Oh, merde. Bouge-toi un peu. La serveuse du restaurant doit passer pour le portrait robot ce matin. J'arrive tout de suite. Ok. Quel réveil. Bon. Ah oui, si. Kirsten, ça c'est déjà produit. Pas qu'on oublie ça aussi. Vous avez laissé là-dessus. Allez, on se lève. Reste encore un peu. Désolé, chérie, mais faut vraiment que j'y aille. Il a un bras plus gros que l'autre. Ok, je me douche, je m'habille et je file en vitesse. Ok. Oui. En effet. Faut se doucher en premier. Ok. Donc. C'est une statuette de Sox, un personnage d'un de mes jeux vidéo préférés. C'est Ratchet & Clank, non? Ouais. J'adore la regarder quand elle dort. Ça fait 2 ans qu'on se connaît. Et je l'aime toujours comme à la première seconde où j'ai croisé son. Oh, ce sourire! Un peu flippant. Qu'est-ce que. Qu'est-ce que? J'ai peut-être fait une connerie. Je croyais que tu étais pressé. Hé, hey, mais j'ai toujours 2 minutes pour toi, chérie. Ah. Seulement 2 minutes? Ah. Censure! Censure! Ça a été coupé! Chiche, on le rappelle. Attendez. Ah oui, censure, censure. Autant pour moi. Bon. Allez, faisons nos gros goujats. Oui, Carla, je partais. Oui, oui, je sais. Non, non, désolé, un petit contretemps. Et... Non, bon, d'accord, j'arrive. Le Grec. Le Grec. Le pauvre. Nous occuper de ce Tyler. Waouh, bon. Mais cette fois, il faut vraiment que j'y aille. Désolé du bip-bip. J'étais en train de tousser. La douche, c'est par là, non? Effectivement. Dis, tu sais que t'es plutôt beau gosse, toi? N'importe quoi. Faut vraiment une musique comme ça pour ce genre de scène. J'ai vu une carte. Depuis quand on se lave comme ça avec une musique comme ça? Sans déconner. Séchage rapide. Ouh, déjà sec. Ok. Un petit pissou, non? Ah, voilà, un petit pissou. Ça remonte toujours le moral de pisser un coup. Vous voyez? Quand vous aurez plus le moral un jour, pensez-y, pisser un coup. Très groovy, on se croirait dans un 70 show. Non, faut peut-être que je m'habille. Attendez, je vais voir sa réaction si je veux sortir comme ça. C'est quoi cette démarche? Ouais, c'est super, Tyler. Excellente idée d'aller au boulot en caleçon. Ouais, trop cool. Bien le coup de la réaction.
Regardez-moi cette démarche. On dirait un défilé de mode. Là, il faudrait une petite musique, là, style... vraiment un défilé de mode. Karl Lagerfeld. Pardon, ouais, un peu de sérieux. Ah, il a que deux vêtements, donc le défilé, on laissera tomber. Ah. D'accord, je sais pas ce qu'il a pris, mais... Bref. Faudrait que je fasse une micro-émission sur les faux raccords des... Enfin, l'ociné en faux raccord par rapport au film. Faudrait que je fasse un faux raccord par rapport au jeu. Ça peut être pas mal, dites-moi les commentaires ce que vous en... Ce que vous en pensez. Faire la gueule. Et je sais ce qu'il a travaillé. Les hormones. Un petit coup de canevas. Retourne te coucher, Sam. Tu vas attraper froid comme ça. J'ai pas froid. Oh, écoute, Sam, arrête avec ça. J'ai aucune intention de mourir aujourd'hui. J'en ai marre de vivre dans la peur, Tyler. Chaque matin, je suis terrifiée à l'idée qu'il t'arrive quelque chose. Oui, c'est son métier en même temps. Hein. Je sais ce que tu ressens, Sam. Il te faut juste un peu de temps, c'est tout. Je n'aime pas te voir comme ça. Tu le sais bien, bébé. Et si tu raccrochais? On pourrait partir en Floride et reprendre le magasin de mes parents. On aurait une vie comme tout le monde. On pourrait faire un enfant. Je suis pas fait pour cette vie-là, Sam. Tu le sais bien, j'ai vu trop de violence pour avoir une vie normale comme monsieur tout le monde. Je sais que tu m'aimes, Sam. Il faut que tu essaies de me comprendre. Tiens, pour la peine, voilà. Pizza ? Allez, salut, à la prochaine. Allez, ciao, je me casse, c'est bon. J'en ai marre, je claque la porte. Qu'est-ce que c'est que ce regard encore? Quoi? Tu cherches là? Censure. Non. Je t'aime, Tyler. Hashtag, c'est moi qui ai pété. Ou le vent qui lui a mis. Monumental. On pourrait faire des scènes dignes des feux de l'amour. Qui arrive dans un commissariat avec une musique groovy comme ça? Encore là, toi? Salut, Tyler. Ouais, salut. Il y a Carla qui te cherche. Ok, ouais, elle a bruni au soleil. Alors, cette retraite, ça se prépare? Oui, j'y travaille. C'est moi. Coucou. Ah merde, je voulais faire le con. Oh, c'est vrai qu'il y a l'autre relou qui veut du fric, là. Ah, je suis en face de toi, tu dis plus rien, là. Hein? Hey, Tyler, tu tombes bien. Justement, je pensais à toi à l'instant. Bah, normal, tu viens de me voir 3-4 fois devant toi. Tu te rappelles des 100 dollars que je t'ai prêtés il y a 6 mois? J'aurais bien aimé pouvoir les récupérer le plus rapidement possible. Oh, sérieux? Genre tout de suite, par exemple. Jeffrey, me dis pas que t'es prêt à ternir une belle amitié comme la nôtre pour 100 malheureux dollars. Oh, je vais te surprendre, Tyler. Mais si. Alors t'allonges les billets si tu veux pas que je m'énerve pour de bon. Billon. Bon, écoute, Jeffrey. Je te propose un deal. Tes 100 dollars, on les joue au basket. Si tu gagnes, je te donne 200 dollars tout de suite. Mais si tu perds, on est vite. Attends, tu vas me donner 200 billets si je gagne? T'as ma parole, mec. Le cliché okay, du black qui fait du basket. Mais un petit conseil, t'avises pas d'oublier de me payer si tu perds, parce que là... T'inquiète pas, Jeffrey, je repasse te voir dès que j'ai 5 minutes à t'accorder. Genre maintenant? Excusez-moi, 5 minutes, un instant. Ouais, chers amis, bon, on va les foutre à les culottés au basket maintenant. C'est possible? C'est pas possible. Salut, Tyler. Ouais, salut! Visiblement, c'est pas possible.
La musique commence à me taper sur qui c'est. La serveuse est pas encore arrivée. Elle devrait pas tarder. Garrett a les résultats du labo. On y va? Je pose mon manteau et je te rejoins tout de suite. Ok, à tout de suite. Cool. Wow, David Copperfield, mec. On voit son manteau, il a enlevé la veste, le bonnet en même temps. Rêver ou alors? Ah! La référence au développeur. Il y a un email qu'il a lui. Tiens, ça peut être drôle. Oui, lire ses mails, oui. Quoi? What? Want ta bigger. Oh, n'importe quoi. Des millions de postes ont déjà été infectés. Installe le fichier si au moins pour prévenir l'infection des liens. Quantic Dream Software. Encore une référence au développeur. C'est que mes angoisses, ça m'a tout à l'air rapide. C'était stupide de ma part, j'ai tellement dérifié. Admettrez que vous pouvez revoir dans la vidéo, il n'y a pas de PC hein, chez eux. Bon allez. Go. Poussez-vous. Salut Tyler, quoi de neuf? Alors, vous voulez commencer par quoi? String de ta mère. Couteau. Le couteau, ça dit quoi? Il y a bien des empreintes dessus. C'est les mêmes que sur le verre et la fourchette qu'on a trouvé à la table du suspect. Donc, le meurtrier était bien à cette table. Quelque chose sur la lame? J'allais y venir. Il y a bien le sang de la victime, c'est certain. Mais le truc bizarre, c'est qu'il y a aussi le sang du meurtrier. Parle-moi du sang dans les toilettes. C'est ça le truc bizarre. C'est pas le sang de la victime, mais celui du meurtrier. Pourquoi a-t-il perdu du sang dans ses toilettes? Ça, j'en ai pas la moindre idée. Frank a trouvé un bouquin sous une des tables du restaurant. Un truc de Shakespeare. La tempête, je crois. T'as vérifié les empreintes? Ouais, c'est les mêmes que sur le verre à la table du suspect. Y a aucun doute, c'était bien son livre. Ça a l'air d'un bouquin assez ancien. Y a peut-être moyen d'en tirer quelque chose. Alors, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Je n'arrive pas à m'expliquer le sang dans ses toilettes. La victime aurait pu réussir à blesser le meurtrier en se débattant, mais ça ne peut pas être à l'intérieur, ça n'aurait aucun sens. C'est comme si l'assassin s'était blessé tout seul. Pourquoi pas? Il y a bien des maladroits dans tous les métiers, alors pourquoi pas chez les tueurs? C'est un peu léger comme explication, Garrett. Eh, chacun son boulot, mieux. Carla. Moi, je fais les analyses, non mais... toi, tu trouves les explications. Voilà. Merci pour ton aide, Garrett. À plus tard. Appelle-moi McCarrie. Alors, maintenant on fait quoi? Toi, tu t'occupes du portrait robot. Moi, je vais aller faire un tour chez le légiste pour voir ce qu'on peut tirer du corps. Ok, à plus tard. Avant d'aller voir le légiste, je vais passer à mon bureau vérifier mes emails. Non, je vais chez le légiste maintenant. Il n'y a personne. Ok. Salut Carla, comment ça va? C'est quoi cette voix? Salut Carla. Attends, mais tiens, où est le légiste? Où est le légiste? Personne ne me répond? Bon, voilà, on va aller revoir ces foutus mails. À mon avis, ça va déclencher l'événement.
Ah mais non, mais attendez, le légiste. Non, bah oui, au sous-sol. À la morgue. Je suis con. Je n'ai pas vu de porte. Non, tu... Ah, mais les contrôles de ce jeu! C'est la porte qui conduit au sous-sol. Je n'ai rien à y faire pour le moment. Tu ne devais pas aller voir un légiste? Non, mais c'est du n'importe quoi. Bon, et bah trouvons un médecin légiste dans le coin. Oui aussi les amis, je vais peut-être prendre en cours de, pas en cours de route, mais peut-être faire la série Canis Canem Elite. C'est un jeu que j'apprécie particulièrement et que j'aimerais partager avec vous. Je l'avais fait en live sur Twitch. Pour voir un peu, mais... Bon, allez, on va consulter les mails et puis c'est tout. Les emails, hop. Messagerie. Oui, le Valium, on a vu. Coup. Titre. Tout cela s'est déjà passé avant. Voilà. Kirsten. Voilà, Kirsten. Voilà, on en était là. Pour le truc. Hop. Dossier classé. C'était donc bien un nom en rapport avec une enquête. Dommage, j'aurais bien aimé savoir. Bon. La banque Nether Jones. Alors. Bon, bah, on va finir le chapitre sur Luca Kane. Hein, on va finir la vidéo sur le chapitre de Luca Kane. Je m'excuse. J'ai pas compris. Trop de burritos. J'étais brûlant de fièvre. Je tremblais de tous mes membres. La migraine était revenue, me vrillait le cerveau. Et pour couronner le tout, mon estomac refusait toute nourriture. Mon corps semblait se rebeller contre quelque chose. Mais j'ignorais encore quoi. Je vais rechercher le nom du doubleur. Car on dirait, déjà on dirait la voix de Keanu Reeves. Enfin, le doubleur de Keanu Reeves. Et la narration de ce personnage, je trouve que c'est la meilleure du jeu. Enfin, pour ma part, je sais pas ce que vous en dites, mais moi je trouve que c'est la meilleure du jeu. C'était à droite que je voulais aller. C'est pas grave. Ah bah. Reprendre une vie normale, coûte que coûte. Ne pas éveiller les soupçons. En parlant malgré de Matrix. Mon état, j'avais décidé d'aller au bureau, comme si rien ne s'était passé. Ça fait un peu les bureaux dans le premier Matrix, justement. Ça, c'est comique. Ouh, j'ai un joli bureau. Avec 10 gigodes à l'entrée. Je suis responsable informatique à la banque Nether & Jones. Je partage mon bureau avec Warren. Je sais pas si c'est une référence, hein, mais les bureaux comme ça, plus le fait qu'il soit dans l'informatique, Neo dans Matrix, il est programmeur informatique. Tu as vu l'heure qu'il est ? Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai eu un petit problème sur le chemin du retour. J'ai dû rentrer chez moi, changer de vêtements. Prêt. Ce
Un QTE. C'est trop bizarre. Il me fout les boules. Qu'est-ce que t'as dit ? Quoi ? Tu viens de dire quelque chose ? Non, j'ai rien dit du tout. T'es sûr que ça va, Lucas ? J'ai entendu quelque chose. Comme si j'entendais ses pensées. Oui, mais c'est sa liberté de penser. Pardon. Je m'excuse, Florent Panini. En droite, c'est déjà fait. Faut que je fasse le gauche. Hop. Photo. Tiffany et moi. C'était il y a 2 ans, je crois. J'ai pas encore pu me résoudre à jeter cette photo. Et c'est encore en noir et blanc. Eh ben. Je sais pas dans quelles années on était, mais... Lucas ? Ça va ? Oui, oui, ça va. Bizarre. Bizarre comme type. Allô, oui, service technique. Qu'est-ce qu'il y a ? Oui, allô ? Bonjour, Lucas. Salut, Tiffany. Je t'ai laissé un message hier soir sur ton répondeur. Oui, t'as envie d'y répondre ? J'aimerais récupérer quelques affaires chez toi. Oui, bah, ramène ton cul. Je pourrais passer ce soir ? Non ! Non, ce soir ça va pas être possible. Je vois. Et demain ? Écoute, Tiffany, je pense qu'il vaut mieux qu'on se voit pas en ce moment. J'essaierai de te rappeler plus tard. T'as une drôle de voix. Ouh ! Qu'est-ce qui se passe, Lucas ? J'ai croisé ta mère. Je suis occupé, là. Salut. Fias ? Prêt ? Attention, la tasse. Lucas, y a un problème ? Non, j'ai cru que... Ça avait l'air tellement vrai. J'ai vu la tasse tomber. Mais je suis au moins, non ? Allô ? Comport. Oui, monsieur. On s'en occupe tout de suite. Le poste 62 est en panne. J'y vais. Non, non, laisse tomber, je vais y aller. Allez, salut. Comme tu veux. Essuie ton café, espèce de dégueulasse. Regarde pas ta tasse comme ça. Mais le mec c'est continue. Exactement comme je l'ai vu. Comme le policier à l'appartement. Est-ce que je peux voir certains événements avant qu'ils se produisent ? Ah, on continue. Là. On va prendre là. Tac. Ah ! Une petite scénette QTE. Ouh, l'attaque des tigres géants, transparent, translucide et phosphorescente. Eh oui, je ne dis pas fluorescente, mais phosphorescente. Grosse différence. What ? Bouge ! Les agents sont la matrice, Néo ! Tu n'as pas d'autre choix. Cache-toi ! Cache-toi, Néo ! C'est totalement ça, en fait. Le bureau en face. Courtier caché. Des puces et des puces. Cours, cours, cours. Ah, merci les Mario Party et les jeux sur les Jeux Olympiques. Bonjour.
Putain, fallait avoir des réflexes à l'époque, hein. Je remets les croupions. Ah, mais je l'ai fait. J'ai fait le mouvement foutonnette. J'ai claqué mes joysticks, tu vas bien entendre celle-là. Qu'est-ce qui ? Mortal Kombat puissance. Non mais, c'est bien entendu, je les ai fait claquer pourtant mes sticks. Ne dis pas que le jeu est bugué parce que là ça pourrait pas le faire. J'avais une version que ça sur PSE qui était buggée à ce niveau-là, c'est super chiant. Alors, tac. Tac. Écoutez bien, hein. D'accord, j'en ai juste fait un. Je marche sur le mur, je marche sur le mur. Coup d'extincteur dans ta gueule. Tu vois quoi tu fais chier les gens. Les blancs savent se défendre. Glisse à lui. Putain, fallait vraiment des réflexes à l'époque. Oh putain, nom de Dieu. Je cligne même pas des yeux. Oh non, mais le mec. Non, mais c'est ça en fait, c'est Matrix. Hein. Wouhou, j'ai réussi, nom de Dieu. Cette rapidité. Michael Jackson? Malheur à celui qui voit. C'est Kukulkan. Kukulkan, le serpent à deux têtes. Truc maya, ça. Lucas? Lucas, qu'est-ce qu'il y a? Tu m'entends? Tu vas bien? Hé, mais t'es blessé. Tu saignes. Il faut que je parte. Je n'avais pas la moindre idée de ce qui venait de se passer. Mais une chose était sûre. Ces choses avaient failli me tuer. Quoi? Tout ça, c'était dans ta tête! Bon. Mesdames et messieurs, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Courte vidéo, je sais, mais en ce moment, j'ai pas mal de choses à faire. Pas mal de vidéos aussi à préparer. Nous continuerons la prochaine fois sûrement avec Tiller Miles, parce que Carla Valentine, d'ailleurs ils ont oublié NE, mais c'est pas grave. Je peux vous dire que je la supporte pas. Je sais pas, c'est sa voix, jamais pu saquer la voix à la Tomb Raider, ça m'insupporte. Donc, je vais vous laisser sur ceci, sur ces images, hein. Je vous dis bien sûr et bien éventuellement à la prochaine. N'hésitez pas à partager la vidéo, merci d'avoir été là avec moi, présent jusqu'au bout, à supporter mes conneries, mes jeux de mots de merde. Sur ce, les barbus, je vous salue.